C'est qu'on était bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et merci à tous ceux qui commencent à partager ce direct live, que j'espère va durer 30 minutes pour qu'on puisse passer à notre train-train de la vie aussi quotidienne. Bonsoir à tous mes amis. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir les citoyens. Je vous embrasse tous. Je vous salue au passage. J'embrasse tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui ont commencé à partager ce direct live. Je voulais m'adresser encore à nouveau et je le ferai toujours jusqu'à ce que les politiciens véreux en Côte d'Ivoire prennent conscience que la vie des citoyens est plus importante que leurs petits besoins. Voilà. Mes amis, aujourd'hui 13, la plateforme des rebelles, la plateforme des rebelles, je dis bien la plateforme des rebelles. Nous sommes aujourd'hui 13. Cette plateforme a appelé à casser la République. Cette plateforme a appelé à agresser la République. Cette plateforme a appelé à casser l'autorité de l'État. La plateforme des rebelles. La plateforme des rebelles. Oui, je dis la plateforme des rebelles. Parce que Guillaume Kibafori est un chef rebelle. Soro Guillaume, là, c'est un chef rebelle. C'est ses habitudes. C'est son habitude. Soro est un chef rebelle. Un PCI, là, c'est une rébellion. Guillaume Soro, là. Guillaume Soro a pris les armes contre le pays. Guillaume Soro, donc, il a l'habitude de ça. Lui, il est né comme ça. Son éducation, c'est comme ça. Il pense qu'il doit tout avoir par la force, par le sang, même par le biais. Il va tuer par le sacrifice humain. Il prend plaisir. Guillaume Soro est comme ça. Donc lui, il sait faire que ça. C'est un chef rebelle. Henri Conan Bédier, là, est un rebelle. C'est un chef rebelle. Bédier est rebelle. Il pensait se cacher derrière Soro pour qu'on ne sache pas qu'il est rebelle. Mais en réalité, Bédier est un rebelle. MPGO, là, c'est quoi? C'est rébellion de Bédier. Dofélis, là. Nguessan, là. Que Bédier a fait nommer Dofélis. C'est un rebelle. Mais je vais revenir sur la rébellion de Soro. Et avant de commencer tout propos, je voulais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je veux interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je veux interpeller l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État de droit. La Côte d'Ivoire, là, c'est un État de droit. La République est dirigée par un chef d'État. La Côte d'Ivoire a des institutions. Je pose une question. On a 54 ministres dans un gouvernement. Je ne dis pas 4 ministres. 54 ministres dans un gouvernement. La Côte d'Ivoire a un gouvernement. Il y a le chef du gouvernement. Il y a le ministère. Il y a le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est un État de droit. Les ministres sont où? Avant d'arriver à Soro, Guillaume et puis Bédi, là, je pose la question à l'État de Côte d'Ivoire. Vos ministres sont où?
Les ministres de Côte d'Ivoire, là, ils sont où? C'est la question. Moi, je suis une citoyenne. Et je pose des questions de citoyenneté. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Oui ou non? La Côte d'Ivoire est une république. Oui ou non? Le chef de l'État, là, c'est le président de la République. Son Excellence, le président Alassane Ouattara. Mais le président de la République, là, il est un gouvernement pour quoi? C'est pour gérer. C'est pour gérer le pays. Les ministres, là, ils sont où? On a 54 ministres. Ils sont où? Vous êtes où? Vous faites quoi? Pour que des délinquants puissent prendre plaisir à casser la République. Vous êtes où, les ministres de Côte d'Ivoire? Aïe. Vous avez disparu. Vous avez disparu de la circulation. Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous êtes où? 54 ministres. Chaque ministre a un rôle dans la société. On ne vous a pas nommé pour appartenir à un groupe. On vous a nommé parce que vous devez travailler. Vous êtes où? Chaque ministre a un rôle dans la société. Le président est seul. Hein? On a l'impression qu'il est seul. Tu as l'impression qu'il est le seul? Lui seul, il est président. Lui seul, il est ministre. Lui seul, il est secrétaire d'État. Lui seul, il est là. Lui seul, il est préfet. C'est l'impression que... C'est l'image que ça nous renvoie. Nous, on est à l'extérieur. L'image que vous nous renvoyez là, c'est le président est seul, au fait. Vous êtes où? Vous êtes où? Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre que on puisse laisser des délinquants, parce que ce ne sont pas des militants. Pour moi, ce sont des délinquants. Ce ne sont pas des militants, ce sont des délinquants. Parce que le militant, là, on vient de faire les enregistrements sur la liste électorale. Donc, quand on est militant d'un parti politique à 2 mois des élections, on se fait enregistrer sur la liste électorale pour apporter sa voix à son candidat. Ça, c'est quand on est militant. On est citoyen militant. Le citoyen militant, là, c'est celui qui se fait enregistrer, qui va s'exprimer dans les urnes. Si tu dis tu es majoritaire, là, c'est dans les urnes, on va voir que tu es majoritaire. Ça, c'est le citoyen militant. Ceux qui manifestent dans les rues, là, ce sont des délinquants. Ce ne sont pas des militants. C'est des délinquants. Notre pays est un état de droit. Comment on peut laisser des délinquants venir dans chaque coin de Côte d'Ivoire lancer des appels à l'insurrection, à casser la République? C'est quel homme politique ça? C'est pas de la politique. On a des délinquants avec des voyous politiques. Parce que ceux qui disent ces voyous, ces personnages qui disent qu'ils s'appellent politiciens, entre guillemets, et qui appellent à l'insurrection, ça veut dire quoi? Des politiciens qui appellent à un coup d'État, ce ne sont pas des politiciens. Parce que l'insurrection, là, c'est coup d'État. C'est coup d'État. L'insurrection, là, c'est coup d'État. On a des personnages politiques, des individus politiques qui appellent à des coups d'État. Ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. Ce sont des voyous politiques avec des délinquants militants. Si à ça on assiste et on y est assis, il n'y a pas une réponse ferme, claire, face à ces délinquants. C'est qu'il y a un problème dans le dysfonctionnement de l'État. Moi, cousin Namou, j'ai dit, il y a un problème dans le dysfonctionnement. Il y a un problème. Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, le verre est dans la pomme. Le verre est dans la pomme. Vous ne pouvez pas protéger la pomme et le verre. Le verre est dans la pomme. On dirait vos propres ennemis, là. Ils ne sont pas à l'extérieur, hein. Ils sont autour de vous. Oui, moi, je vais dire ça. Parce qu'il y a un souci. Il y a un problème. Pourquoi ces petits, là, ils sont partout dans les rues? Ils cassent, ils brûlent. Ils prennent plaisir à tuer d'autres enfants.
et que des personnages appellent à l'assassinat de d'autres enfants. Expliquez-moi ça. Un instant. Oui. Allô? Allô? Je peux te rappeler. Pourquoi? Qui donne l'autorisation à cela de manifester? Parce que je parle de dysfonctionnement. Il y a un Monsieur le président de la République, il y a un dysfonctionnement dans l'appareil de l'État. Ça là, là on parle, moi je vous parle du... Je parle de la République, je parle des institutions, je parle du fonctionnement et je parle comment ça devrait marcher. Ça devrait fonctionner normalement. Il y a des gens qui sont en voiture, qui ont les machettes et qui appellent à casser la République. La République est où pour répondre? La Côte d'Ivoire est un état de droit. La République doit répondre avec fermeté, avec efficacité. Notre pays est un état de droit. Ça fait combien de jours des délinquants sillonnent des rues avec des machettes et les mêmes pratiques? Les pratiques de Blair Goudé là, machettes avec punais, ils vont brûler des vivants. Pour quelle raison? La République est où pour répondre? Qui nous protège? La République est où pour nous protéger? Il faut protéger tout l'étendue du territoire ivoirien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que pour manifester, on demande l'autorisation. Parce que notre pays est un état de droit. N'importe qui ne se lève pas pour manifester. N'importe qui se lève pour manifester, l'État se met en face de lui. Et le prend, répond avec fermeté. Des gens, depuis quelques jours, font des vidéos. Vous avez toutes ces informations. Vous ne les avez pas? Tout le monde a ces informations qu'ils vont manifester et même ils vous donnent les lieux de rassemblement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils arrivent sur ces lieux de rassemblement, l'armée n'est pas déployée, la police n'est pas là. C'est quand ils finissent de brûler que l'armée arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dysfonctionnement. Qui leur donne l'autorisation de manifester? On a des préfets ou on n'a pas des préfets en Côte d'Ivoire? Ou bien les préfets là aussi sont infiltrés. On a des préfets ou on n'a pas des préfets. C'est des préfets qui donnent l'autorisation de manifester ou les maires de communes qui donnent l'autorisation de manifester. J'ai une question à poser. Le préfet d'Abidjan, il est où? Celui qui se promenait là, il est où? Pourquoi les nouveaux gens là aiment le bling bling politique? Le préfet d'Abidjan, il est où? Depuis là, je ne le vois pas. Le préfet d'Abidjan est où? Le ministre de l'Intérieur, on ne l'entend pas. On ne sait même pas sur la ministre de l'Intérieur d'un pays. Il est où? Il n'y a pas de communiqué. Il n'y a pas de message. On ne voit pas les ministres condamnés, dénoncés et condamnés avec vivacité. Vous êtes où pour parler? C'est le moment de parler. On veut vous entendre. Quand le peuple est dans... Quand l'atmosphère est comme ça, on veut entendre la voix de nos autorités. C'est la seule chose qui nous rassure et qui nous garantit qu'il y a une prise en charge des choses. Mais on ne vous entend pas. C'est nous les pauvres de Facebook, là. C'est nous on parle. Mais vous, là, on ne vous entend pas. Vous êtes où? Vous êtes où? Le préfet de police, il est où? Les préfets de Côte d'Ivoire sont où? C'est au préfet de maîtriser cette situation. C'est au préfet d'apporter des réponses. Mais le préfet est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Les préfets, là, leur décision, là, ça vient du ministre, leur ministre de tutelle, là, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est où? Monsieur le président Alassane Ouattara, il y a un dysfonctionnement dans l'appareil de l'État. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un dysfonctionnement dans l'appareil de l'État. Les préfets ne font rien, on ne voit pas. On ne voit pas l'action, on ne voit pas. Il n'y a rien. On ne voit pas de réponse. Donc nous, on se pose des questions. Et moi, Gouzan Naounou, je pose des questions des internautes. Je pose des questions de la masse. Je pose des questions des citoyens. Parce que tout le monde parle au nom de la Côte d'Ivoire, au nom des Ivoiriens, comme s'ils représentaient les Ivoiriens. Quel parti politique se lève, il parle au nom des Ivoiriens, comme si son parti politique était les Ivoiriens. Non. Ceux qui ne disent rien sont beaucoup plus nombreux que les partis politiques, que ceux qui parlent à leur nom.
La masse silencieuse là, c'est pas elle qui s'exprime là. La masse silencieuse n'est pas une masse de délinquants. Elle réfléchit. C'est une masse intelligente. Il y a un souci. Nous avons besoin de mesures fortes. Le ministre de l'Intérieur, depuis que ça a commencé, il devait avoir des prises de parole. Parce que nous attendons des prises de parole de nos ministres. Des prises de parole de tous les ministres du gouvernement. Qui doivent dire, nous dénonçons chaque ministre. Moi, j'ai passé mon temps à parcourir vos pages Facebook. Le seul ministre sur la page où j'ai eu communiqué là, c'est le ministre Adjumani. Je parcours vos pages. Tous les soirs, je suis sur votre page. Pour voir ce que vous avez publié. Si vous dénoncez, si vous condamnez, il n'y a rien. Tout le monde est là, bouche bée. On a l'impression que vous avez peur de parler. Parce qu'on dirait que Soro Guillaume, là, vous avez un pied là-bas, vous avez un pied de... On ne sait pas. Monsieur le Président, le verre est dans la pomme. On ne peut pas protéger la pomme et le verre à la fois. Le verre est dans la pomme. Le verre est dans le fruit. Il y a un souci. Il y a un souci. À quel moment nous allons avoir des réponses fermes? À quel moment nous allons avoir des communiqués? À quel moment des ministres vont dénoncer? Des ministres vont condamner? Je prends un exemple. Le coup d'État qui a échoué à Kafalo, dans le nord du pays, où des soldats sont venus, des militaires, des gens armés sont venus tuer des militaires. Vous savez ce que ça veut dire tuer un militaire? C'est un coup d'État. Des gens armés sont venus tuer des militaires sur leur poste de travail. C'est un coup d'État. Mais moi, je n'ai pas vu des ministres qui ont eu un discours ferme, qui ont condamné pour dire « Nous condamnons ». Tout le monde sait que c'est Soro Guillaume qui est derrière ça. Mais chose bizarre, vous ne parlez jamais de Soro Guillaume, mais vous ne parlez pas de lui. Vous ne le condamnez pas, vous ne critiquez pas, vous ne dites rien. Pourquoi? Vous, c'est quoi qui vous fait peur? Soro Guillaume vous fait peur? Parce que là où on est arrivé, là, on va plus jouer ça. En fait, c'est bizarre. Vous ne condamnez pas. Quand Soro Guillaume fait de l'insurrection, les ministres, là, ils doivent condamner. En France, ici, où nous, on vit, là, vous pensez qu'un homme politique va appeler à un coup d'État? Hey! En France, ici, là, où Soro Guillaume est assis, là, un homme politique va se lever pour dire, j'appelle à un coup d'État, on va casser le pays, on va chasser le président de la République. Hey! Ici, en France, tous les ministres, du premier ministre jusqu'au dernier ministre, vont prendre la parole publique pour dire nous condamnons avec la plus grande énergie cette agression à l'État. Nous, on veut entendre ça de votre part. Mais depuis, on n'attend pas. On n'attend pas. On n'entend pas. Donc, on ne sait pas ce qui est État. On ne sait pas, on n'entend pas. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cachez? Ah! Si certains sont allés critiquer le président chez Soro Guillaume, la Soro Guillaume a pris le sopa pour vous enregistrer. Donc on se dit, là, s'il n'est pas là, Soro va sortir mon secret, donc il préfère me taire. C'est dans ça qu'on a dit. Mais c'est le président. Prenez les dispositions, prenez les mesures. Prenez les dispositions, prenez les mesures. Ce n'est pas les ministres qui votent le président, c'est le peuple qui vote le président. Ce n'est pas les ministres qui votent le président de la République. C'est le peuple qui vote le président de la République. Les ministres ne font pas la majorité. Le peuple fait la force. Le pouvoir appartient au peuple. Il n'appartient pas au ministre, monsieur le président. Le peuple, la majorité des Ivoiriens, consciencieux, on sait très bien que vous avez bien travaillé. La majorité sait que vous avez bossé. Vous avez apporté le développement à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait votre preuve. Vous êtes un bosseur infatigable. Le peuple va vous réélire encore à nouveau. Monsieur le Président, moi-même, là, j'ai fait campagne pour vous. Mais ma seule question que je vais poser, si je vous vois là, c'est avec quelle équipe vous allez gouverner si vous gagnez les élections. Moi, mon débat, il est à ce niveau-là. Avec quelle équipe vous allez gouverner si vous gagnez les élections? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que les politiciens, là, j'ai dit que c'est des plaisantins, parce qu'ils ne posent pas le vrai débat. Le président.
quand on est là à bosser, tout le monde sait. C'est un travailleur, tout le monde sait. Il a apporté la Côte d'Ivoire, tout le monde sait. Il a une réelle vision pour le pays, tout le monde sait. Il a les moyens de réaliser ses projets, tout le monde sait. Il a le réseau qu'il faut, tout le monde sait. Même l'opposition sait. C'est pour ça que l'opposition tremble. L'opposition sait qu'elle a perdu d'avance. L'opposition même sait qu'elle a perdu d'avance. C'est pour ça qu'elle cherche une transition politique. Sinon, si l'opposition il crée des plateformes ici, plateforme A, plateforme B, plateforme C, plateforme I, ils font la gueule, ils disent qu'ils sont majoritaires, mais on a 2 mois des élections. Si M. Henri Collin Bédier est candidat, M. Afinguessa est candidat, mais mobilisez vos militants pour aller aux urnes. Si vous avez du potentiel, si vous avez du coffre, si vous avez un réel projet là, allez-y convaincre. Que de mobiliser les gens à aller des petits délinquants, à aller casser la République. Mobilisez vos militants, allez aux urnes. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. C'est ça la démocratie, allez aux urnes. Des gens qui disent qu'ils sont majoritaires, ils racontent ici. Plateforme ici, les mêmes militants qui se découvrent en petit groupe. Vous parlez de Troisième République. Parlons-en de la Troisième République. Nous sommes dans la Troisième République. Et vous-même, vous dites Troisième mandat. Ça veut dire que dans votre tête, là, mandat, ça veut dire que c'est acquis. On n'a pas dit Troisième élection. Vous dites Troisième mandat. On va partir sur votre... Je vais reprendre votre expression. Troisième mandat, ça veut dire que c'est acquis. Ça veut dire mandat, là. Mandat, c'est quoi? Il a le mandat. On lui a donné mandat. Ça veut dire qu'il a gagné. Donc, l'opposition sait que Ouattara a gagné les élections du 31 octobre 2020. Ils savent très bien. Mais ils sont dans la marmaillerie politique. Ils ne veulent pas aller aux élections en réalité. Ils veulent dealer. Vous allez voir dans les jours à venir, ils vont commencer à dire, il faut que Ouattara, on aille au dialogue politique. Moi, je vais vous expliquer ce qu'ils appellent dialogue politique. Dans le jargon, le dialogue politique, là, c'est codé. Dialogue politique, là, c'est codé. Sinon, en réalité, là, des gens qui ont leur candidat déclaré, Henri Collin Bédié est candidat, Afinguessa est candidat, Alassane Ouattara est candidat, pourquoi vous voulez qu'on aille au dialogue politique? On va aux élections? On va aux urnes? Ou bien, on va aux urnes. Il n'y a pas de dialogue politique. Puisque Afinguessa est candidat du FPI, un côté du FPI. Bédié est candidat un côté du PDCI. Parce que le PDCI, là, le PDCI est divisé en 3. Il y a une partie du PDCI qui est dans le RHDP. Il y a les jeunes cadres du PDCI que Bédié a doublé parce qu'il a fait croire qu'il allait prendre. Eux, ils sont les tiamistes. Il a fait croire qu'il allait prendre Thiam. À leur grande surprise, les parrainages sont au nom de Bédié et ne sont pas au nom de Thiam. Donc Thiam ne peut pas être candidat et Thiam est franco-ivoirien. Donc il ne peut pas être candidat dans la Constitution. Thiam ne peut pas être candidat ni la Troisième République, ni la Première République. Thiam ne peut pas être candidat. Donc, les gens de Thiam qui sont dans proches de Bédié, là, ils sont déçus. Il y a des élus qui sont proches de Thiam, qui sont déçus de Bédié. Donc ceux-là, ils sont en train de négocier, aller voir le président Ouattara pour dire, oui, bon, il faut que Thiam soit ministre dans ton prochain gouvernement. Donc chacun fait du deal politique, ce n'est pas un dialogue, c'est du deal. Si vous entendez dialogue politique, ça veut dire dealer politique. C'est des dealers politiques, ils sont en train de dealer. Dialogue, dealer. Mais pour ne pas dire dealer, ils disent dialogue. On est à 2 mois des élections. Tu as ton candidat, j'ai mon candidat. La constitution n'empêche personne d'être candidat. Bédié est candidat, Ouattara est candidat, Afi est candidat. Mais on va aux urnes. Que Bédié mobilise ses militants pour aller aux urnes. Que Afi mobilise ses militants pour aller aux urnes. Que Ouattara mobilise ses militants pour aller aux urnes. C'est dans les urnes, on va voir qui pèse, qui ne pèse pas. Vous laissez les urnes et vous prenez des petits enfants de 12, 9 ans, vous instrumentalisez dans les casser. Et vous-même, vous organisez leur assassinat. Crime.
vous manipulez des petits enfants. Des enfants qui ne sont même pas à l'âge de voter. Parce qu'ils sont 9, entre 9 et 14 ans. Ceux-là, ils ne votent pas. Ils ne connaissent pas dans la politique. Ils ne sont même pas vos militants. C'est pour ça que je parle de délinquance juvénile. Délinquance juvénile. Parce que 9 et 14 ans, là, ils ne sont pas à l'âge de voter. Ils n'ont pas 18 ans révolus. Donc, ils ne sont même pas inscrits. Ceux-là descendent dans la rue pour casser là-haut. Ils cassent quoi? Quel est le projet? C'est parce que vous-même, vous assassinez, vous allez assassiner les enfants là. Comme Soro Diome, c'est sa pratique. Lui, il aime le bain de sang. Soro aime quand le sang coule. C'est rituel chez lui. Vous allez voir Soro, quand vous voyez ses lèvres, que ça commence à devenir rouge là. C'est que son génie, son fétiche a besoin de sang. Il faut que sang coule. Soro, lui, c'est sa pratique. Il est Soro, c'est un, il fait du fétichisme. C'est sa pratique. Il aime sang. Il aime sang. Dracula, il aime sang. Soro là, Dracula, il aime sang. Donc quand sang coule comme ça là, lui il aime ça. C'est ça qui fait que son Dina commence. Il aime ça, Dracula. Vous avez quel problème? Tout le monde va aux élections. Première République, Deuxième République. Vous parlez de quoi? Bédier là, c'est pas dans la Deuxième République que Bédier a fait deux mandats. Oui ou non, vous et moi on va te parler. C'est pas dans la Deuxième République que Bédier a fait deux mandats. Bédier a fait deux mandats dans la Deuxième République. Gbagbo a fait deux mandats dans la Deuxième République. Bédier, là, il a fait deux mandats dans la Deuxième République. Gbagbo a fait deux mandats dans la Deuxième République. Nous sommes dans la Troisième République. Ouattara va faire son premier mandat de la Troisième République parce qu'Alassane Ouattara va gagner les élections. Il est structuré. Il a un projet. Il a fait ses preuves. Il a démontré comment on apporte le développement à son pays quand on aime son pays. Comment on apporte le développement à son pays quand on aime son pays. Alassane Ouattara l'a démontré. On l'a vu. Moi là, nous tous, moi je suis comme Saint Thomas. Il faut voir pour croire. Moi j'ai vu et je crois. Les autres là, ils ont fait bavardage. On n'a rien vu. Pas école Pikini même au pays. Les enfants partaient pas à l'école. Il n'y a pas goudron quelque part. C'est même Ouattara qui est arrivé qui a mis goudron chez Bédié à Daoukro. C'est le même Ouattara qui a mis goudron chez Gbagbo à Mahama. C'est le même Ouattara qui a mis lycée à Gagnoua chez Gbagbo. C'est le même Ouattara qui a mis des lycées à Daoukro chez Bédié. C'est le même Ouattara qui a récupéré Yam Sokro de Félix Houphouët-Boigny que Bédié a abandonné et que Gbagbo a abandonné. C'est le même Ouattara qui a donné des subventions à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Moi j'ai été, j'ai visité cette fondation. La fondation Félix Houphouët-Boigny a lisé la bêtise à Yam Sokro. Qu'est-ce que vous voulez? On va aux urnes. On est à deux mois des élections. Posons le vrai débat. Quel est votre projet de société? Quel est le projet de société d'Alassane Ouattara? Avec quelle équipe vous allez gouverner si vous gagnez les élections? Avec quelle équipe Alassane Ouattara va gouverner s'il gagne les élections? Donc voilà le débat que je pose aujourd'hui. Parce qu'on doit nous dire avant, avec quelle équipe? C'est de ça qu'il s'agit. Donc posons le vrai débat. On doit aller aux élections. Vous ne mobilisez pas vos troupes pour gagner les élections. Vous dites descendez dans la rue pour casser. Parce que vous voulez un dialogue politique. Vous voulez dealer. Parce que la vérité, je suis en train de vous dire, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, ces véreux sont en train de vous manipuler pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour vos intérêts. Parce que la réalité, là, les enfants des Bédiers fuient pour sortir du pays. Ils ont peur déjà. Pendant que votre vieux, Koyo, là, lui, il veut brûler, qui fait assassiner les enfants, vous fuyez du pays avec vos enfants. Les enfants des Bédiers sont en train de fuir du pays avec leurs enfants. Ah bon? Bédiers, donc toi, tes enfants, là, ils ne meurent pas aussi. C'est des bébés de 12 ans que là, tu vas faire assassiner. Pour dire quoi? Parce que tu veux que... Là, tu veux dire quoi? La communauté internationale. La communauté internationale t'a vomi, Bédier. La communauté internationale t'a vomi. Il y a longtemps, elle t'a vomi avec ton ivoirité, là. La communauté internationale ne supporte même pas le nom Bédier. Le nom Bédier, là. La communauté internationale ne supporte pas ça. La communauté internationale t'a vomi. C'est pour ça qu'on t'a chassé en 99 du pouvoir. Avec ton ivoirité. On t'a chassé pour ça.
Parce que tu es un danger. La communauté internationale va apporter son soutien à qui? Vous criez que Ouattara, lui, ce sont les blancs qui lèvent. Mais vous, vous appelez la communauté internationale là. Qui est là-bas? C'est des noirs qu'ils ont là-bas. Vous avez quel réseau à la communauté? La communauté internationale, vous connaissez ce que c'est la communauté internationale. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une communauté internationale? Est-ce que vous connaissez, vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que la communauté internationale? Vous avez quel réseau là-bas, la communauté internationale? Vous connaissez qui là-bas, la communauté internationale? On ne vous connaît même pas. Vous connaissez qui là-bas? Qui va vous défendre? Qui va parler pour vous? Vous vous mentez entre vous. Vous vous mentez entre vous. Bédier pense que c'est Angela Merkel qui va lui apporter son soutien. Vous, vous croyez à ça? Angela Merkel, celle qui va apporter son soutien à qui? À Bédier? Vous croyez à ça? L'Allemagne, vous croyez à ça? Vous croyez que Angela Merkel va apporter son soutien à Soro Guillaume le rebelle? Vous croyez à ça? Moi, je vous pose la question, si vous croyez à ça? Rebelle, un tueur qui a fait massacrer les gens. Lui, là, la communauté internationale va donner son soutien à qui? À un chef rebelle criminel de guerre que la CPI réclame. Mais vous faites rire, vous. Vous pensez que la France, la grande France que vous voyez là, la France va apporter son soutien à qui? À Bédier. La France a vomi Bédier. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Et vous savez ça? La France a vomi Bédier. N'a jamais pardonné à Bédier son histoire, de son ivoirité qui a foutu le feu au pays. La France n'a jamais pardonné ça à Bédier. Parce que quand vous dites, on va chasser les étrangers, on va tuer les étrangers là. Mais en Côte d'Ivoire là, il y a plus de 8000 Français qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc quand vous tuez les étrangers, que vous tuez les étrangers, ça veut dire que vous allez chasser les Français, vous allez tuer les Français. Et vous attendez que la France vous apporte son soutien. Mais vous, là, vous êtes nalement. Vous ne comprenez rien même du monde. Vous n'avez rien compris. La communauté internationale ne vous apportera jamais son soutien. Jamais. Ils vont faire quoi? Des gens qui veulent tuer les Français. À chacun son français. C'est ça là, ils vont vous apporter leur soutien. Mais vous êtes rire. Parce que Soro Guillaume, il est assis ici. Vous pensez que c'est parce que la France l'aime qu'on le regarde ici? Non, hein? Non. On a l'œil sur lui, on le surveille, on connaît ses entrées, ses sorties. On sait comment il fait. On sait avec qui il parle, on connaît où il va. Comme ça, on le surveille mieux. C'est pour ça qu'il l'a gardé ici. On a la main sur lui. Le jour qu'on a fini là, on voit le pocket. C'est comment ça va se passer? Ça ne va pas se passer autrement. Soro Guillaume là, il est ici là. On a la main sur lui, on a attrapé ses couilles, il peut la dans la main. Comme ça, on sait comment il ne peut pas trop bouger. Voilà. Lui, il pense qu'il est intelligent, il est ici. Non, hein? Ah, le jour viendra, on va voir. Ce jour n'est pas très loin. Donc, il a dit, Macron soutient Soro. Emmanuel Macron a fait des études, il n'est pas un chef rebelle. Il n'a pas pris les armes pour devenir président. Emmanuel Macron, là, il ne peut pas soutenir un criminel de guerre. Jamais! Il a fait des études. C'est un économiste, un banquier. Emmanuel Macron était banquier. Tu as une fois vu quelqu'un qui a col blanc aller prendre ma chèque pour tuer, qui a un sang dans les mains? Jamais. Emmanuel Macron va jamais apporter son soutien à Soro Guillaume. Soro Guillaume se ment à lui-même, puis il vous ment. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas très évolué. Il sait que vous n'êtes pas évolué, donc il ment aux gens qui sont limités. Sinon, à nous comme ça, là, il ne peut pas s'arrêter pour nous dire des bêtises qu'il vous raconte. Jamais. Parce que vous n'êtes pas évolué, donc il vous ment. Vous avez compris? La France n'apportera jamais son soutien à Soro Guillaume. Soro est le cancer. Lui et puis Bédé sont le cancer qui gangrène la Côte d'Ivoire. Jamais. Donc, si vous avez un candidat, allons-y aux urnes. Vous demandez à des enfants de descendre dans les... Vous armez les enfants, machette, ceci. Regardez cette image. Ça, c'est à Benoît. Chez Madame Simone Gbagbo. Chez Madame Simone Gbagbo. Vous partez mettre le feu, casser un commissariat. Vous supprimez le commissaire. Vous ruez sur lui. Vous le battez à sang. Le commissaire de police. Chez Madame Simone Gbagbo. Parce que Madame Simone Gbagbo, elle dit quoi? Qu'il faut que Ouattara arrive au dialogue. Madame Simone Gbagbo,
Toi, c'est Nadi Bamba qui te moué. Nadi Bamba, là, c'est quand elle fait photo, elle peut te montrer ses fesses, là, c'est elle qui te moué. C'est parce que Ouattara t'a pas traduit à la CPI que toi, tu t'assois aujourd'hui puis tu racontes des anéries pareilles. Madame Gbagbo, là, Madame Simone Gbagbo. C'est parce que Ouattara t'a pas traduit devant la Cour pénale internationale. Et ça, je l'avais dit. Le président Alassane Ouattara, son laciste là aussi est là. La Cour pénale internationale vous a envoyé un courrier pour dire « Livrez-nous Simone Gbagbo, Soro Guillaume et Ouattao. » Vous avez gardé cela pourquoi? Vous avez gardé pourquoi? On ne peut pas caresser les gens d'un côté puis les autres dans la prison. Non! La Cour pénale a demandé pour la poursuite du procès là. Simone Gbagbo doit répondre devant la justice internationale. Soro Guillaume doit répondre devant la justice internationale. Ouattao doit répondre devant la justice internationale pour crime de sang. Le processus de Kimberley, diamant, crime de sang. Vous avez gardé tout cela par rapport à quoi? Père à son âme Ouattao, il a déjà payé sa sentence. Je le mets de côté. Que son âme repose en paix, on ne juge pas les morts. Mais Soro Guillaume, là, vous l'avez gardé pourquoi? Quelqu'un qui a tué, vous l'avez gardé pourquoi? Quelqu'un qui a fait violer des femmes au nord, on l'a gardé pourquoi? Quelqu'un qui a tué, massacré des femmes à l'ouest, on l'a gardé pourquoi? Aujourd'hui, là, on est en train de tuer ça. Parce qu'il y avait les gens autour du président qui venaient toujours voir le président pour dire oui, Soro Guillaume, c'est le frère du nord, comme c'est le fils du nord, monsieur le président, on n'a qu'à laisser. Comme c'est le fils du nord, monsieur le président, on n'a qu'à laisser. Comme c'est le fils du nord, monsieur le président, on n'a qu'à laisser. Parce que les gens de l'ouest, là, ils ne vous aiment pas. Monsieur le président, comme c'est le fils du nord, on n'a qu'à laisser. Aujourd'hui, là, vous avez raconté les gens de l'ouest ne vous aiment pas, monsieur le président. C'était juste votre rhétorique pour aller escourquer Ouattara, là. Les gens de l'Ouest, ils ne vous aiment pas. C'est nous, les fils du Nord, on est autour de vous aujourd'hui. Là. C'est comme dans tous les livres saints. Si vous lisez vraiment les livres saints, là, ce que je dis, il est écrit dedans. Ce que vous avez pensé qui ne vous aimait pas hier, c'est ceux-là qui vont vous défendre. Parce que vous aurez fait votre preuve. Vous aurez démontré que vous êtes quelqu'un de bien. Et ceux-là vont parler pour vous. Mais ceux qui vous ont fait croire qu'ils vous aimaient plus que ceux qui ne vous aimaient pas, ceux-là vont vous salir, ils vont vous humilier, ils vont vous insulter. Aujourd'hui, là, qui insulte à la salle Ouattara? Ce n'est pas les mêmes enfants du Nord. Et c'est les enfants de l'Ouest qui le défendent aujourd'hui. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans tous les livres saints. C'est écrit dedans, c'est la parole divine. Celui que tu penses qui te déteste, en réalité, c'est celui qui t'aime. Parce qu'il a le courage de venir dire les choses vraies. Mais celui qui vient de faire salam alaikum, fais très attention à lui. C'est celui-là qui te poignarde dans le dos. Aujourd'hui, là, quand vous regardez la toile, là, qui insulte Alassane Ouattara? Est-ce que ce sont les enfants de l'Ouest? Non. Les enfants de l'Ouest défendent Alassane Ouattara. Parle pour lui. Mais ce sont les enfants du Nord qui l'insultent aujourd'hui. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. C'est la parole de Allah, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Allah, c'est la parole de Dieu. Parce que nous avons vu que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que nous avons vu que vous êtes un bosseur. Parce que nous avons vu que vous êtes un travailleur. Parce que nous avons vu ce que notre propre fils de l'Ouest n'a pas pu faire pour nous, vous avez fait pour nous. Même si on n'a pas encore tout eu. Monsieur le Président va préciser la partie là pour que le reste là arrive. Notre propre fils de l'Ouest là, Gbagbo là, il n'a pas envoyé lumière chez nous. Il n'a pas envoyé l'eau potable chez nous. Il n'a pas envoyé goudron chez nous. Vous, le fils du Nord, vous nous avez apporté la lumière, l'eau potable et le goudron. Parce que la route précède le développement. Nous, on parle pour vous. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Aujourd'hui, là, ils sont sur les réseaux sociaux. Les dangatons, là. Yerolombali. Soro est un dangaton. Un Yerolombali. Un Kafri. Soro Guillaume. C'est lui aujourd'hui qui paye les gens pour insulter.
Alassane Ouattara. Et c'est eux qui vont s'asseoir pour dire, oui, les gens de l'Ouest, là, n'aimaient pas Ouattara. Mais aujourd'hui, c'est les gens de l'Ouest qui le défendent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes où? Monsieur le Président, nous porterons votre message. Parce que nous allons porter votre message. Nous voulons la paix, pour la paix, pour la stabilité du pays. Nous allons porter votre message. Nous allons le porter à nos parents à l'Ouest, dans le Grand Ouest, pour leur dire notre part de développement est dans la main de Alassane Ouattara. Ouvrons les bras. Accueillons Alassane Ouattara pour avoir notre part de développement. Nous allons dire ça à nos parents dans le Grand Ouest. Et nous allons continuer à sensibiliser la jeunesse du Grand Ouest pour leur dire Bédier et Soro ne va pas vous utiliser comme leur mouton. Vous n'allez pas manger l'herbe, broyer l'herbe et puis ils vont boire le lait. Bédier et Soro Guillaume ne vont plus jamais utiliser les enfants de l'Ouest. Nous allons continuer à sensibiliser nos parents dans le Grand Ouest. Soro Guillaume nous a trahis. Il a trahi la nation. Soro Guillaume a trahi la... Il a pris des armes contre le pays. On ne pardonnera jamais à Soro Guillaume. Même au sud, le sud ne va jamais pardonner à Soro Guillaume. Soro Guillaume se trompe. Soro Guillaume a pris les armes contre le pays. L'Ouest ne va pas pardonner Soro. Le sud ne va pas pardonner Soro. Même le nord ne va pas pardonner Soro. Parce que des femmes du nord étaient violées dans le nord. Des jeunes du nord étaient enfermés jusqu'à mort. La Côte d'Ivoire ne pardonnerait pas à Soro. Soro sait qu'il est dans sa dernière ligne droite. C'est pour ça qu'il gigote, il gigote, il gigote, il gigote, il gigote. Il gigote, il n'arrive même pas à trouver le sommeil. Il gigote. Comme il est, c'est un garçon agité. Il est dans la tourmente. Mais s'il ne se calme pas, ça ne va pas être bon pour lui. Ça ne va pas être bon pour lui. Oui, ça ne va pas être bon pour lui. On est à 2 mois des élections. Vous avez votre candidat. Chacun a son candidat. Posons le vrai débat et puis allons-y aux urnes. Monsieur le Président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédier et Soro Guillaume doivent être poursuivis pour trahison, haute trahison à la nation. Henri Konan Bédier et Soro Guillaume doivent être poursuivis pour haute trahison à la nation. Voilà deux personnages qui ont appelé à voter la Troisième République de Côte d'Ivoire. Deux personnages qui ont appelé à voter la Troisième République. Qui ont voté la Troisième République. Et qui aujourd'hui mettent le feu au pays pour la Troisième République qu'ils ont eux-mêmes voté. La Troisième République qu'ils ont voté là, ils appellent à mettre le feu. Et ils commettent des crimes. Ils agressent avec des armes à la main, des armes blanches. Ils agressent. Ils tuent des enfants. Ils tuent des enfants. Bédier a fait tuer des adolescents à Daoukro. Bédier doit être arrêté. Nous ne pouvons plus pardonner. Nous ne pouvons plus pardonner. Bédier doit être arrêté. Bédier et Soro doivent être poursuivis pour haute trahison à la nation. Quand on vote une république, on la respecte. Pour manquement, ils ont manqué de respect à la république. Ils ont trahi les Ivoiriens. Ils ont trompé les Ivoiriens parce que c'est eux-mêmes qui ont fait la promotion de la Troisième République. Ils ont fait la campagne de la Troisième République. Le président Alassane Ouattara fera son premier mandat de la Troisième République. Le président Alassane Ouattara fera son premier mandat de la Troisième République. Il ne faut pas tromper les gens. Ce n'est pas un troisième mandat. C'est un premier mandat de la Troisième République. Il faut bien que les gens comprennent le français, ça là. Ce n'est pas un troisième mandat. C'est un premier mandat de la Troisième République. Remettez les choses en ordre. Ils sont en train de lire en l'envers. Premier mandat de la Troisième République.
Bédier et Soro doivent être poursuivis et arrêtés pour haute trahison à la nation. Parce que cette Troisième République, c'est eux qui l'ont voté. C'est eux qui l'ont voulu. C'est eux qui ont fait la promotion. Et ce sont eux qui ont voté. Dire que le président Alassane Ouattara, pourquoi il a attendu le discours à la nation pour annoncer sa candidature. Alassane Ouattara est très respectueux des institutions et du fonctionnement des institutions. Le jour où le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne se représenterait pas, qu'il laisserait la place au premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, c'était devant la nation, c'était devant la représentation du peuple, devant les parlementaires. Vous connaissez les institutions, vous? C'est devant les parlementaires qu'il s'est adressé. Donc, les parlementaires sont les représentants du peuple. En l'absence des parlementaires, le président s'adresse à la nation. En présence des parlementaires, le président s'adresse à la nation. Mais en l'absence des parlementaires, le président choisit une date qui correspond à une fête, à un jour, à une commémoration pour s'adresser à la nation. Donc le 6 août, oui, le président s'adresse à la nation. Mes frères et sœurs, allez-y leur dire, c'est le premier mandat de la Troisième République. Allez-y leur dire, c'est le premier mandat de la Troisième République. Ils ont leur candidat. Nous avons leur candidat. Chacun vient avec son projet de société. Nous allons poser le vrai débat. Quel est ton projet? Avec qui tu vas gouverner si tu gagnes les élections? C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y leur dire. Il n'y aura pas de deal politique. Parce que leur plan, c'est de créer des tensions dans les rues. Une façon de faire pression pour dire le président sera obligé de nous appeler pour négocier, pour dealer. Comme ça, quand ils vont arriver, non seulement quand ils arrivent, on leur, dans les deals, on leur donne des grosses enveloppes. Oui, on leur donne de grosses enveloppes. C'est 40 millions, c'est 50 millions parce qu'ils sont dans un deal. Et puis en plus, ils vont venir négocier. Bon, nous on veut des postes ministériels, on veut des DG, nous on veut des ambassadeurs. Ils sont dans un deal politique. Il n'y aura pas de deal politique. Alassane Ouattara ne va pas changer le calendrier. Vous ne le connaissez pas. Ouattara s'exprime 3 fois dans l'année. Il ne veut pas plus que de 3 fois. Il s'exprime 3 fois dans l'année. Il n'y aura pas de deal politique. Le calendrier ne va pas changer. Nous irons aux élections. Mobilisez vos militants pour aller voter pour vous si vous avez des militants. Mobilisez vos militants pour aller voter pour vous si vous avez des militants. Mobilisez vos militants pour aller voter pour vous si vous avez des militants. N'instrumentalisez pas des enfants de 12 à 14 ans, de 9 à 14 ans pour aller casser dans les rues. Ces enfants ne sont pas à l'âge de voter. N'instrumentalisez pas des enfants pour aller agresser. Ne donnez pas de couteau. Vous êtes un mauvais exemple. Et je l'ai toujours dit. Simone Gbagbo, elle est rassasiée. Tous les mois, ce n'est pas sa faute. Alassane Ouattara lui donne 15 millions tous les mois. Donc elle est rassasiée. C'est pour ça qu'elle s'assoit pour rôter. Elle dit, elle fait conférence. Tous les mois, elle a 15 millions par mois. Elle n'a pas de problème. Toi qui vas sortir pour manifester, elle te donne 15 millions par mois. Simone Gbagbo, elle a 15 millions par mois. Même la femme de Bédier, là, elle a 12 millions par mois. Toi, là, est-ce qu'on donne 12 millions à ta maman par mois? Tu t'en vas sortir, là, on va t'attraper, tu mets ta prison cadeau. Alors que ceux-là, ils ont leurs millions tous les mois. Toi, tu as quoi? Toi, est-ce qu'on paye ta maman par mois? Est-ce qu'on paye ton papa par mois? Si ton papa ne travaille pas, il n'a pas. Tu sors pour faire tout cela, pourquoi? Et même les enfants sont où? Vous sortez. Quand on vous attrape là, est-ce que vous les voyez là-bas pour venir vous voir? Ils ne vous voient pas. Ils ne vous apportent pas à boire. C'est vos pauvres parents qui viennent pleurer encore pour vous. Et vous allez arrêter. Prenez conscience. C'est pour ça. Ils savent que les 18 ans, 24 ans ont compris aujourd'hui. Donc, ils vont chercher quelle cible? Ils vont chercher les 9, les 14 ans pour manipuler. Parce que ceux de 21 ans, ceux qui ont vu 2010 là, ils ne peuvent même pas sortir pour ça. Et ça les intéresse. Ils disent quoi? Ils disent non, ils ne sont pas dedans. Hein. Ceux qui ont vécu 2010 là, ils ne sont même pas dans ça là.
Donc, ils ont choisi des enfants, c'est-à-dire les 9, 14 ans. Parce qu'ils ne vont pas aller chercher les 22 ans, les 21 ans, les 25 ans. Ils sont plus prêts à mourir pour des voyous politiques. Mes frères et sœurs, à vous, les chers Ivoiriens, à vous, la jeunesse des Côte d'Ivoire, concentrez-vous sur vos études. Concentrez-vous sur vos études. Écrivez votre projet de vie. Écrivez votre projet de vie. Écrivez des questions à poser aux politiques. Quand ils viennent vers vous, posez-leur la question. Quel est votre avenir avec eux? C'est de ça qu'il s'agit. Posez-leur la question. Quel est votre avenir avec eux? Ils vont vous apporter quoi? Quelle est la solution pour vous? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils ne vous donnent pas les armes. S'ils vous donnent les armes, demandez qu'ils remettent les armes à leurs enfants. Parce que c'est les enfants qui bouffent. Vous ne bouffez pas. Nous sommes les enfants des pauvres. On ne peut pas laisser battre pour quelqu'un, pour des riches. Les riches doivent nous donner. Mais eux, ils sont radins, ils ne nous donnent pas. Pourquoi vous allez mourir pour eux? Pourquoi? Pourquoi vous allez mourir pour eux? Pourquoi? Il faut que les parents des Côte d'Ivoire ne soient pas animés par la haine. Ne soyez pas animés par votre propre haine. Éduquez vos enfants. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Pour 10 000 francs, ton enfant va avoir un œil cassé. Pour 10 000 francs. Pour 15 000 francs, ton enfant va avoir un pied cassé. Pour 15 000 francs. Ton enfant qui t'a porté pendant 9 mois. Pour 15 000 francs. Ton enfant va mourir pour 100 000 francs. Ton enfant que tu as porté 9 mois va mourir pour 100 000 francs. C'est 50 000 francs. Ton enfant va mourir pour ça. Mère de Côte d'Ivoire. Toi, une femme, tu as porté un enfant. Tu as vomi, tu as craché, tu as eu des contractions, tu as poussé, tu as accouché, tu as donné le sein à l'enfant, tu as donné à manger à l'enfant. L'enfant l'a grandi. Pour 50 000 francs, il va mourir pour un politicien. Pour 50 000 francs, il va mourir pour un politicien. Toi, une mère, si tu es consciente, pour 50 000 francs, ton enfant va mourir pour un politicien. Ne sacrifie pas ton tachet pour 50 000 francs. Ne sacrifie pas ta chair pour 50 000 francs. Garde ton enfant au chaud. Parce que les politiciens, là, eux, leurs enfants sont au chaud. Même si tu es pauvre, attache ton ventre. Garde ton enfant au chaud. Ton enfant ne doit pas mourir pour 50 000 francs. Parce que le politicien, là, son enfant ne peut même pas mourir, même pour 2 millions. À plus forte raison, 50 000 francs. Bonsoir. Oh,